Avant de devenir maltier, François Goyard était issu d'une longue lignée de flotteurs de bois, originaire de la ville de Clamecy, en Bourgogne. Cet héritage a eu un très fort impact sur l'histoire de la maison Goyard. De leur affinité et leur agilité à travailler le bois, jusqu'au marquage des mâles pour identifier leurs propriétaires, en passant par le chevron présent sur la toile qui représente les bûches entremêlées sur la rivière, les flotteurs de bois ont transmis à la maison Goyard des valeurs qui la rendent unique. Pour mieux les comprendre, nous allons vous raconter l'incroyable épopée des trains de bois pour Paris. Si les ponts de la Seine retrouvaient la mémoire, ils raconteraient une histoire oubliée, celle des trains de bois qui ont permis à la capitale de se chauffer pendant plus de 3 siècles. Grâce à eux, du XVIe siècle à l'aube du XXe, les forêts du Morvan ont fourni la capitale en bois. Les enjeux étaient simples. Pas de bois, pas de four. Pas de four, pas de pain. Et pas de pain, c'était la révolution. Pour éviter une pénurie désastreuse, les puissants marchands de bois parisiens vont encourager l'aménagement d'un immense territoire et l'essor d'un flottage de bûches unique au monde, qui seront véhiculés par des trains de bois gigantesques. Pour construire ces radeaux ingénieux de 75 mètres de long, se met en place une organisation humaine sans pareil. Au fil de 14 générations de flotteurs, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vont unir leurs efforts pour fournir toujours plus de trains de bois pour Paris. Au milieu du XVIe siècle, les bateaux à fond plat ne parviennent plus à alimenter suffisamment la ville de Paris en bois de chauffe. L'exploitation sauvage a ravagé l'Île-de-France et il est impensable de toucher aux forêts réservées aux chasses royales. Des Nivernais vont être à l'origine du flottage à bûches perdues du Morvan. En aménageant les rivières et leurs affluents, ils installent leurs ports sur les confluences naturelles. Ainsi, Clamecy, sur l'Yonne, devient vite la capitale du flottage et le centre technique, commercial et juridique de l'approvisionnement de Paris en bois de chauffe et de four. Le flottage se décompose en deux temps. D'abord le petit flot pour acheminer le bois sur les bords de l'Yonne, puis, au printemps, le grand flot pour rassembler toutes les bûches dans les ports d'aval et monter les trains de bois qui partiront pour Paris. Pendant le petit flot, des bûches sont lâchées sur les rivières, puis arrêtées par des barrages. Des crues artificielles sont créées grâce à des étangs dont on libère les eaux pour multiplier par 3 ou 4 le débit des rivières. Des hommes, appelés poules d'eau, sont placés au fil du cours d'eau pour remettre dans le courant les bûches récalcitrantes et aider le bois à arriver jusqu'au bord de l'Yonne, où il sera arrêté puis empilé provisoirement en attendant le printemps. En 1669, Louis XIV et Colbert créent les compagnies de flottage, une structure juridique pour encadrer le commerce du bois. Il est décidé que chaque marchand aurait sa marque distinctive, légalement déposée, qui lui permettrait de distinguer ses bois des bois du voisin. Chaque bûche devra être marquée au signe de son nouveau propriétaire à chaque extrémité, afin qu'elle soit identifiée. Et nul n'aura le droit de le copier. Les flotteurs se sont dotés de 2 autres outils adaptés à leurs travaux. Le croc et le picot. Le croc est une pièce forgée qui possède 2 pointes pour remettre les bûches dans le courant. Le picot, très pointu, sert à aller chercher les bûches. Au printemps arrive le grand flot. Toutes les bûches entassées sont relâchées pour déferler vers les ports d'aval. La rivière devient une mer de bois.
Les hommes, avec leurs crocs ou leurs picots, tirent les bûches de l'eau, les mettent sur les brouettes et les emmènent sur le port où les femmes et les enfants aident à leur tri et à leur empilage. C'est au moment du tricage, du tri du bois, que le marquage va permettre à chaque propriétaire de retrouver ses piles, sa marque et son bien. À partir de ces piles sont réalisés les trains de bois qui vont acheminer les bûches vers Paris. La construction d'un train, c'est un travail d'équipe, dirigé par le compagnon de rivière, qui va le conduire jusqu'à la capitale. En une semaine, 6 personnes vont assembler 200 stères de bûches en utilisant des perches et des liens de bois souples qu'on appelle des rouettes. Garantir la solidité des 75 mètres du train nécessite plus de 3000 liens d'un bois de 5 à 6 ans d'âge, qu'il faut savoir choisir avec minutie et trouver en grand nombre. Les trains de bois sont gigantesques, 75 mètres de long, 4,50 mètres de large, de 40 à 60 cm d'épaisseur en fonction de la hauteur de l'eau. Un train de bois, c'est un bateau à emballage perdu, où tout est réutilisable. La seule énergie pour amener le bois à Paris, à la fois économique et écologique, c'était le courant de la rivière. Les bûches du Morvan vont être emmenées à 300 km de leur forêt natale, vers les ponts de la Seine et Notre-Dame de Paris. Le compagnon de rivière et son petit homme d'arrière vont faire ensemble la première partie du voyage. Ils sont portés par l'éclusée, un immense raz-de-marée créé de pertuis en pertuis. De Clemcy à Paris, le voyage d'un train de bois dure en moyenne 11 jours. À Auxerre ou Joigny, le petit homme d'arrière rentre chez lui pendant que le flotteur continue sa route de jour comme de nuit. En aucun cas, le flotteur ne devait quitter son train. Quand l'Yonne devient plus large, on va coupler deux trains en les mettant côte à côte. Ainsi, un flotteur pourra sommeiller pendant que l'autre pourra veiller. Un port est créé à l'entrée de Paris, à Charenton-Bercy, qui permet aux flotteurs de garer leurs trains. Ce sont ensuite les plumets, les ouvriers des ports de Paris, qui conduisent les trains au lieu de démontage. Les débardeurs empilent provisoirement les bûches sur la berge avant qu'elles ne soient conduites au chantier le plus proche pour être assemblées sous forme d'immenses piles que l'on appelle des théâtres. C'est le grenier à bois de Paris. Les bûches vont encore sécher une année dans ces théâtres avant d'être vendues aux différents usagers. Une fois son train livré, le compagnon de rivière rentre à pied vers son port d'attache en 4 jours. Il y avait ainsi environ 500 personnes qui faisaient plusieurs fois par an le voyage Clamcy-Paris. Même si le dernier train de bois a officiellement flotté sur la Cure en 1923, depuis les années 1880, les péniches avaient déjà inexorablement repris possession de la rivière Dionne. Cette région viticole va connaître une double crise économique. Plus de travail pour fabriquer les trains de bois, et plus de travail dans les vignes atteintes par le phylloxéra. C'est la fin de la civilisation du bois qui va être remplacée par celle du charbon, puis du pétrole. Quand les bûches des forêts du Morvan retrouvent la mémoire, elles racontent cette histoire capitale, sans laquelle Paris ne serait sans doute pas devenu Paris. L'épopée des trains de bois qui ont fait chauffer les âmes et les âtres de la ville lumière pendant plus de 3 siècles. Fils de flotteur et petit-fils de compagnon de rivière, c'est fort de son héritage et de son affinité avec le bois que François Goyard reprend en 1853, sous son nom, une maison de maltier-coffretier-emballeur, établie à Paris depuis 1792.